Alors juste en introduction, toutes les séquences que vous verrez dans cette vidéo ont été tournées à peu près entre septembre 2020 et janvier 2023. Et oui, ça fait un bon petit passage. Donc voilà, c'est un petit peu décousu, on n'a pas forcément eu le temps de beaucoup bosser sur la voiture. Mais j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Allez, à tout de suite! Salut, c'est Mathieu de l'Occupation du Bois, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la restauration de la Morgane. Et oui, ça faisait longtemps, mais pour cause, on avait commandé pas mal de pièces, d'où un nouveau châssis, et ça a mis quelques semaines, voire quelques mois surtout, pour arriver jusque dans nos contrées, directement d'Angleterre, suite à une reconstruction, directement, on va dire, faite pour nous sur commande. Eh bien, c'est parti, on va pouvoir reconstruire la voiture. Je ne sais pas trop encore comment je vais organiser, en tout cas, les vidéos sur cette reconstruction, mais je pense que je vais m'attarder, voilà, sur différents, en tout cas, parties, sections de la voiture qu'on pourra remonter ensemble. Et bien, sans plus tarder, on va attaquer par finalement préparer notre train avant, notre train arrière, pour pouvoir finalement les positionner sur ce nouveau châssis. Alors, petite info, c'est que ce châssis, il n'est pas percé. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir repercer les trous en s'aidant de ce qui est fait sur l'ancien châssis, et puis aussi potentiellement en s'adaptant par rapport à différentes pièces qui auraient pu éventuellement bouger un petit peu. Alors, vous voyez, à chaque fois, on avait nos caisses bien préparées avec toutes les pièces, etc. Là, on voit les vieux amortisseurs, les ressorts, et puis derrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, les espèces de colonnes, là. Donc voilà, toutes ces pièces-là sont là. Vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est renseigné sur les pièces qui sont à changer, finalement, des pièces de sécurité qui sont à changer de base sans se poser de questions, et puis les pièces qui étaient éventuellement à revoir. Du coup, sur ce train avant, on a finalement essentiellement des pièces neuves, hein, pour l'instant. Donc là, on a repréparé finalement par rapport, on voyait, on a quelques docks, hein, des éclatés de ces différentes pièces, qui nous permet finalement déjà d'avoir pu commander les bonnes pièces. Et puis, on a maintenant, voilà, finalement tout ça qui va être prêt à remonter avec les différents éléments. Au moins, voilà, sur ces aspects finalement, on va dire des éléments de sécurité sur la voiture, là pour le coup, on n'a pas lésiné, on est parti sur tous des éléments neufs sur ces sections-là pour éviter bien des problèmes par la suite. Donc, il n'y a plus qu'à remonter. Several months later. Bon, alors, vous avez vu les premières images là, de cette vidéo, et là maintenant, je crois qu'on est quasiment un an, voire un an et demi après, où on reprend enfin la construction de la Morgane. Donc, dans les étapes ici, c'est de rattacher la partie pare-feu, la partie caisse en bois et la partie châssis ensemble. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on a commencé bien évidemment un petit peu. Donc, l'idée, c'est que ce pare-feu, on l'a fait faire réparer. Rapidement, en tout cas pour les soudures qu'il y avait, pour tout ce qui était rouillé. La caisse, vous la connaissez bien, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes dessus sur ce que j'ai refait. On est venu d'ailleurs revérifier en remettant le pare-feu sur l'ancien châssis pour savoir à quel endroit il se positionnait. Et une fois qu'on a tout validé, qu'on était bien sur le bon angle, etc., on est venu le repositionner ici. On est venu ici, du coup, le revisser tout le long avec des nouvelles vis en inox sur la caisse en bois. On a récupéré l'angle qui allait bien. Et derrière, positionnement de la caisse sur le nouveau châssis. Pour ça, moi j'avais déjà fait des trous au niveau des sealboards ici, ce sont les planches qui sont là par rapport aux trous de l'ancien châssis. Et ici, une fois qu'on a défini la bonne position, alors vous allez voir ici, je vérifiais notamment l'écartement entre chaque bois, devant et derrière, etc. On est venu du coup percer à travers le châssis pour avoir les trous qui nous permettent derrière de mettre les vis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau châssis, il n'est pas du tout percé. Donc il va falloir qu'on refasse chacun des trous de l'ancien châssis. Et autant dire que de base, c'est quand même un gruyère avec tous les passages et toutes les fixations qu'il y a à faire dessus. Donc là, vous voyez en blanc ici, on est venu, on va dire, repérer les trous du pare-feu pour pouvoir le fixer sur le châssis. Et on viendra du coup percer le châssis en fonction de ces trous et du coup de ce pare-feu bien positionné. J'ai profité également là pour remettre une barre anti-rapprochement qu'il y avait ici et qui est ici accrochée plus ou moins avec la caisse à outils là que je suis en train de remonter. Et vous voyez, on est bien content de retrouver ici nos petites boîtes qui avaient bien été libellées avec les numéros. Et surtout, voilà, notre petit carnet hein, à nouveau avec toutes les écritures. J'ai bien évidemment tout ça en version électronique, mais qui nous permet de retrouver les pièces qu'on doit remonter. Several months later. Bon, vous l'aurez deviné, on est à nouveau quelques semaines plus tard. C'est la saison de Noël, hein, voilà. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de comment refixer en bonne position. Je n'ai plus le nom de la pièce, hein, mais cette espèce de bouclier avant sur lequel vient se fixer le train avant. Et pour cela, en fait, on a besoin d'avoir l'écartement exact entre du coup la partie pare-feu et cette partie-là. Bien évidemment, le moteur normalement se situe ici. Pour ça, en fait, on va remettre les joues d'ailes
Parce qu'on se rend compte que les joues d'ailes, elles sont fixées en partie sur ça et en partie sur ça. Donc avec l'écartement des trous des joues d'ailes, ça va nous permettre de bien pouvoir repositionner du coup cette pièce et pour pouvoir ensuite percer le châssis. Hein, parce que comme je vous l'ai dit, le châssis, il n'est pas percé de base là, quand il est neuf. Et du coup, on va devoir revenir repercer exactement chacun des trous. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on ramène les joues d'ailes, on recale un petit peu tout ça. Et une fois qu'on considère qu'on a la bonne position, pouvoir venir visser cette pièce-ci qui nous permettra ensuite de remonter le train avant. L'idée ici, c'est de pouvoir remonter train avant, train arrière, ce qui nous permettra de remettre la partie moteur et puis ensuite de venir reconstruire petit à petit toute la voiture. Alors, on a pu refixer les joues d'ailes, vous inquiétez pas, vous voyez, les peintures ne sont pas encore finies, mais on voulait au moins repositionner ça. Donc, la joue d'ailes ici vient de fixer avec trois vis au niveau du pare-feu. Donc là, on sait qu'on est en bonne position. Elle vient se mettre ici avec une vis au niveau de cet élément-là. Alors ici, il faudra qu'on reperce aussi pour être bien aligné par rapport au châssis, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on se pose comme question, c'est la partie inclinaison. C'est-à-dire que sur cette pièce, voilà, est-ce qu'on doit être vraiment à la verticale? Ou là, on voit qu'on a une inclinaison qui est un petit peu forcée, mais on voit que cette inclinaison, elle est essentiellement due au fait qu'on vient taper ici sur le châssis. Et on avait remarqué notamment que ce châssis-là était légèrement plus long que celui d'origine. Et donc on voudrait vérifier cet aspect-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter, moi ici, là vous voyez ici bien l'inclinaison. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette partie-là. Je vais venir la revisser sur l'ancien châssis pour voir effectivement si on se trouve, enfin on va dire quel est l'angle qui est fait entre ça et le châssis, pour voir si on est vraiment sur un angle droit ou si on conserve le même angle. Et puis, à partir de là, je pourrais retester ça sur le nouveau châssis et pour pouvoir ensuite le fixer définitivement. Du coup, ça y est, la voiture commence à avoir un petit peu plus de gueule, là, comme ça, avec les joues d'ailes. Et ça nous permet, encore une fois, d'avancer. L'idéal, là, on est en train de se poser la question, c'est par rapport au moteur, qu'est-ce qu'on met en premier, avant, arrière, etc. Je pense que le moteur, on viendra le mettre après au-dessus, vous voyez, par le dessus, comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'il est potentiellement mis en usine. Donc ça, on voudrait juste vérifier, ce qui nous permettra en plus d'avoir beaucoup plus d'accès pour pouvoir repasser tous les conduites, etc. Sur les joues d'ailes et notamment après le reste sur la partie caisse. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'on a aussi, entre guillemets, un modèle vivant pour venir faire quelques petits repérages et pour savoir si on est bien au niveau de la voiture. Alors après vérification sur l'ancien châssis, la perpendicularité ici de ça avec le châssis n'est pas correcte ici. Donc je vais devoir venir entailler un petit peu le châssis pour pouvoir redresser ici, puisqu'on sait qu'au niveau du haut on est bon parce que c'est ce qui est rajouté, en tout cas c'est ce qui est accroché au niveau de la joue d'aile. Donc ça, on sait qu'on est bon sur la position haute. Et par contre, ce qu'il nous fallait, c'est effectivement la position basse pour savoir comment on jouait sur cet angle ici. Sachant qu'au niveau de ce train, on a vraiment un angle droit par rapport au châssis. Et donc c'est pour ça que je vais venir tailler un petit peu le châssis là-dessus. Bon, on filme pas tout, mais des fois il y a des trucs qu'il vaut mieux pas voir. Ici, petit atelier peinture à l'arrache pour le pont. Voilà, hein, comme on dit, il n'y a plus qu'un. Alors, pendant ce temps-là, on continue d'avancer au fur et à mesure sur la restauration des pièces. Vous voyez, grosse brosse sur la meuleuse, et puis c'est parti, on part de ça. On arrive finalement à brosser plutôt facilement. Et ici, on est en train de faire du coup les suspensions arrière, là, qui sont des lames à ressort. Donc vous voyez, au départ, on a comme ça quelque chose de hyper rouillé. Et après, un peu de... Voilà. Une fois qu'on passe tout ça à la meuleuse, ça a quand même une gueule un petit peu mieux. Bien évidemment, on va bien sûr protéger tout ça de la rouille pour éviter que ça rerouille à nouveau. Mais bon, clairement, simplement, voilà, de l'huile de coude dans le sens la meuleuse électrique. Et puis on est plutôt pas mal, quoi, hein. Several months later. Pour les fusées de roues, d'origine, il y a des pièces en laiton. Vous voyez, une de ce côté-là qui doit faire à peu près, 8 cm. Et pareil de ce côté-là. Donc on a enlevé les anciennes, qui étaient forcément déformées un petit peu avec le temps. On est venu, et je vous mettrai une petite photo, une petite vidéo, faire de la mécanique de précision pour les insérer. Vous allez voir ça. Et là maintenant, en fait, il faut les retarder pour que ce soit l'axe exact et la taille exacte qui va venir au niveau de l'axe métallique qui va traverser tout ça. L'idée, c'est pourquoi, effectivement, on vient retarder après, parce que le laiton, c'est un métal mou, donc le fait de l'insérer de part et d'autre, bah forcément, on ne peut pas avoir quelque chose de parfait. Et l'idée, c'est plutôt, une fois que les deux pièces sont bien alignées, je ne sais pas si on voit ici l'alignement face en face, qu'on vienne bien faire un trou en face. Donc, j'ai fait un petit montage ici, pour que
Vous allez le voir là, on a la fusée qui est mise à la partie horizontale, on a la pièce en laiton et on a le fameux gros tarot, hein, qui est vraiment un truc spécialiste Morgan qui correspond exactement au diamètre dont on a besoin et pour lequel on va venir, tarauder ici l'intérieur des pièces. Et l'idée, c'est qu'on ait du coup la pièce en laiton ici et la pièce en laiton qui est là, qu'on ait le tarot qui passe à travers en étant vraiment aligné, alors bien évidemment à l'horizontale, mais bien aussi à la verticale. Donc on avance comme ça, on trace ça avec le laser. Alors la mécanique de précision continue. Ici on a sorti le laser et l'idée c'était de fixer moi mes petites pattes en bois par rapport à l'alignement du coup de notre tarot versus la fusée. Donc là on est globalement plutôt bien aligné, hein, je sais pas ce que ça va rendre en vidéo. Donc il nous reste à valider ici maintenant l'alignement ici plutôt de manière verticale. On est hyper content du petit montage parce que ça a vachement bien fonctionné. Vous avez dû le voir à la fin du timelapse, à la fin le tarot là, pour éviter de aller en contresens et de le sortir, on l'a continué à visser au maximum. De toute façon, une fois que le diamètre avait été fait, normalement ça bougeait plus. Et on l'a tapé à la fin au marteau avec un qui tirait pour pouvoir l'enlever et c'est parti très facilement. Donc on va pouvoir faire la même chose avec la deuxième fusée. Mais en tout cas, voilà, ce petit montage, il vaut ce qu'il veut. Ça aurait été mieux de faire ça effectivement sur un tour, chez un analyseur, tout ce qu'on veut. Ici, nous, on est dans l'artisanal et je suis sûr que vu la construction originale de la voiture en premier lieu, ça ne changera pas grand-chose. En tout cas, voilà, nos petites bagues en laiton ou en bronze, je ne sais plus, sont taraudées pour la première fusée. Et donc, on va pouvoir attaquer ensuite le remontage de ces éléments sur la voiture. Mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, hein. Comme je vous l'avais dit en introduction, c'est peut-être un petit peu décousu, mais parce que voilà, ces vidéos ont été faites vraiment sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!